Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mercredi 15 mars 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Aujourd'hui, j'ai pigé amitié véritable. Les amis véritables se sont déjà rencontrés au ciel. Ils créent une sphère d'amour et de compassion ici, sur cette terre. Amitié véritable, on ne rencontre pas une amitié véritable à tous les coins de rue, n'est-ce pas? Une amitié véritable se compte sur les doigts d'une main. Pour certains d'entre vous, il est très important que vous soyez honnête avec vous-même. Petite question. As-tu réellement envie d'avoir des amis autour de toi? Qu'es-tu prêt à sacrifier pour ceux qui t'aiment? Quelle attention es-tu capable d'apporter dans cette amitié? Apprécies-tu tes amis? Eh bien, la fleur de vie te vient en aide pour mettre de l'ordre dans tes amitiés, pour mettre en lumière ta part de cette amitié, mais aussi celle de ton véritable ami. Les amitiés véritables sont aussi rares que les pierres précieuses, n'est-ce pas? On les compte sur les doigts d'une main. Alors pour certains d'entre vous, si tu as le bonheur de connaître de véritables amis dans ta vie, c'est maintenant que la fleur de vie confortera tout particulièrement cette amitié grâce à son énergie nourricière. Elle continuera cette belle amitié. Par contre, si tu n'as pas encore trouvé d'amis véritables dans la vie, eh bien, tu vas le rencontrer et tu le reconnaîtras facilement. Cette personne sera profondément liée à toi, au fond de son cœur, et qui t'aimera tel que tu es. Alors, cette belle fleur de l'amitié, véritable, n'est-ce pas, t'aidera à faire eh bien, le bilan pour distinguer dans ta vie le véritable ami de celui qui n'est simplement qu'une bonne connaissance. Tu sais jusqu'où tu veux t'investir dans une relation amicale? Jusqu'à quel point exactement tu es ouvert pour une amitié? Et où se situent tes craintes? Où se situent tes doutes? Mais aussi tes limites. Faut pas oublier qu'une amitié véritable, c'est un amour, n'est-ce pas? Peut-être que par le passé, tu as considéré le fait d'avoir un véritable ami comme allant de soi, ou alors que c'est à part de cette véritable amitié qui faisait défaut. Que c'est ton engagement qui manquait peut-être, mais il se peut aussi que ce soit l'inverse. C'est possible. Le moment est maintenant venu d'investir, eh bien, pourquoi pas du temps et de l'attention dans cette amitié, puisque le véritable amitié
sont extrêmement précieuses. Il est très important de les soigner et de les traiter avec amour à la juste mesure. C'est-à-dire qu'il faut entretenir cette amitié, l'arroser tous les jours un petit peu. En tous les cas, si tu n'as pas d'amis, le moment est propice pour une amitié et elle sera, ça sera une belle amitié. Tu rencontreras une belle personne qui te correspondra, qui t'acceptera avec tes qualités, tes défauts. Voilà ce que cette carte est venue te dire, amitié véritable. On termine avec l'oracle des couleurs. C'est magnifique, hein, la fleur de vie, parce que ça pointe le doigt sur différents aspects de notre vie. Alors, oracle des couleurs, j'ai pigé la couleur or. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Sur cette belle phrase, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.